Lyon-Clermont affiche de clôture de cette 17e journée de Top 14 ce dimanche après-midi au Matmut Stadium de Gerland. Après 4 victoires consécutives, le Loup espère réaliser la passe de 5 face aux dauphins du Stade Toulousain au classement. L'ASM Clermont, début de match à l'avantage des jaunards justement, 3-0 après une pénalité de Patricio Fernandez. Mais le Loup va réagir au quart d'heure de jeu, 14e minute plus exactement. Jonathan Wisniewski feinte la passe, trouve l'intervalle et vient servir sur un plateau. Son 3 quarts centre, Charlie Nata. Et à la conclusion du premier essai de la rencontre, le Néo-Zélandais qui plante la première réalisation de ce match, 5-3 transformé par Wisniewski, le demi d'ouverture du Loup à l'origine de cet essai qui trouve l'intervalle avant de servir Ngataï. Superbe essai des Lyonnais qui plantent le décor dans cette rencontre et qui concrétisent leur temps fort. 3 nouveaux points vont être inscrits par Jonathan Wisniewski quelques minutes plus tard. Et puis la réaction des Clermontois quelques minutes de la pause, 34e minute, l'essai en force du deuxième ligne, Paul Gédrasiak, à la conclusion de cette série de pick and go. Ludovic Kerr accorde l'essai à Paul Gédrasiak, l'international français. Clermont revient, Patricio Fernandez transforme, 10 partout, c'est d'ailleurs le score à la pause au terme d'un premier acte très serré, alors que l'on revoit l'essai tout en puissance de Paul Gédrasiak, transformé donc par Patricio Fernandez. De retour des vestiaires, les Clermontois se montrent indisciplinés en seconde période. Le banc de l'ASM très rajeuni n'arrive pas à faire la différence. Tout le contraire de Charlie Nataï, encore une fois le Néo-Zélandais qui franchit. Dylan Cretin n'arrive pas à poursuivre et il commet un en avant. On revient à la faute de la défense clermontoise, très en difficulté et qui vient offrir 3 points à Lyon sous l'œil agacé de Baptiste Couillou, blessé. Jonathan Wisniewski convertit cette pénalité après un échec. 13-10, Lyon prend l'avantage, mais clairement revient dans ce match quelques minutes plus tard. 63e, Patricio Fernandez règle la mire et passe cette pénalité. Le chassé croisé continue entre les deux formations, un chassé-croisé qui va tourner à l'avantage des Rodaniens en fin de match. Encore une fois, à l'initiative, Charlie Nataï et les Lyonnais qui viennent provoquer une nouvelle fois la défense clermontoise qui se met à la faute. Pierre Mignoni réclame un geste d'anti-jeu. L'arbitrage vidéo va lui donner raison. Faute de Fritz Lee qui écope d'un carton jaune. Jonathan Wisniewski convertit cette pénalité et assure la victoire des siens. 2 coups de pied consécutifs du demi d'ouverture du Loup, 19-13. Ce sera le score final sur cette ultime action. Les Clermontois ne parviendront pas à revenir dans ce match et vont même manquer le coup de pied du bonus défensif par Kevin Vialard, le tout jeune demi d'ouverture. Victoire lyonnaise, la 5e consécutive en Top 14, 19-13. Clermont laisse filer le Stade Toulousain en haut du classement.